Bambini. La midouille. Bien à l'abri de l'ennui. La midouille. Le coin secret des amis. La midouille. La vie qui chante et qui rit. La midouille. Dans ce nid si doux, c'est bon d'être ensemble. Dans ce nid si douillet et qui nous ressemble. La midouille. Ça dégringole et ça roule. La midouille. Ça court, ça saute et ça vole. Le nidouille. Ça décolle et ça déboule. Le nidouille. Le nidouille. Le nidouille. C'est une bonne idée. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de fête. On pourrait faire des gâteaux et des guirlandes. Oui, plein de guirlandes avec plein de lumière. Oh, et Margot, ça te plairait une grande fête? Oh oui, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'on va bien s'amuser? On va manger des gâteaux et on va danser. Bonjour, Mimi. Qu'est-ce qu'il en prend? Tiens, Stella, c'est l'invitation pour la fête. Oh. Merci, Marius, je viendrai. Toc, toc. Tiens, Margot, c'est l'invitation pour la fête. C'est à 6 heures chez moi et surprise garantie. Nini est invitée, elle aussi. Évidemment. Alors, je n'irai pas. Ah. Oh, elles sont vraiment impossibles. Ouais, ça ne s'arrange pas entre Nini et Margot. On va accrocher des serpents partout, ça va être très beau. Moi, je m'occupe de la musique. Et voilà, pour ceux qui ont faim, des délicieux gâteaux faits par Margot. Par Margot? Alors je n'en veux pas. D'ailleurs, j'en ai assez. Il n'y en a que pour Margot ici, puisque c'est comme ça, débrouillez-vous. Attends, Nini. Il n'y a rien à faire, elles sont fâchées pour toujours. Je les aime toutes les deux, moi. Je veux qu'elles viennent à ma fête. Non, je n'irai pas. Margot, s'il te plaît. Non, je ne viendrai pas. C'est idiot, Margot. Tu ne peux pas rester comme ça dans ton coin. Et si tu continues à passer tout ton temps avec ta nouvelle chérie, Nini, je ne serai plus ton amie. Vous êtes toutes les deux mes amies et personne n'a le droit de m'empêcher d'être amie avec qui je veux. Et voilà, ça y est. Et voilà. Moi, je suis sûre que Margot viendra quand même. Elle est incapable de résister à une fête. C'est sûr qu'elle viendra. Un peu de musique et elles seront de nouveau les meilleures copines du monde. Comme ça, t'es encore plus vilaine, Nini. Et c'est nous qui payons. C'est injuste. Je sais ce qu'on va faire. La séance est ouverte. Margot, Nini, nous sommes réunis ici pour régler le désaccord qui vous oppose. Approche-toi, Margot. Margot, qu'as-tu à reprocher à Nini? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Allez, dis-nous ce que tu lui reproches. Ah non, pourquoi accuser Margot? Allez-y, nous vous écoutons. C'est bien ce que je pensais. Margot ne se souvient de rien. C'est facile de dire qu'on a tout oublié. Ce n'est pas vrai, elle n'a rien oublié. Elle est timide, c'est tout.
commencer la dispute. Alors j'attends. Pourquoi avez-vous commencé cette dispute? Je ne m'en souviens plus. C'est incroyable! C'est elle qui... Oh, pardon, Nini, je voulais pas te faire mal. Nini! Nini, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Ça va mieux maintenant. Viens, on va jouer. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien, le plus important, c'est qu'elle se soit réconciliée. La la la!